Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va parler ensemble d'estimer. Estimer, c'est extrêmement important. Estimer, c'est réfléchir à ce que pourrait donner une multiplication que je ne suis pas capable de faire mentalement, mais dont je peux imaginer les résultats en arrondissant mes nombres. Alors, il y aura une capsule où il y a déjà une capsule ou il y aura une capsule dans les prochaines heures sur arrondir. Peut-être que tu l'as déjà regardé, peut-être que tu n'es pas encore mise en ligne, mais il y en aura une aujourd'hui, c'est sûr, avant 16 heures. Pourquoi je te parle de ça? Parce que arrondir, évidemment, c'est coller de façon intrinsèque avec estimer. Donc, quand on estime, on va arrondir nos nombres. Donc, 48 fois 29 qui est en arrière, je te laisse deviner que par cœur, je ne le sais pas. Mentalement, je ne le sais pas. Ce que je sais, par exemple, c'est que 48, je peux l'arrondir à 50 et que 29, je peux l'arrondir à 30. Ça veut donc dire que 50 fois 30, je suis capable de le faire mentalement. Pourquoi? Parce que 3 fois 5, 3 fois 5, ça fait 15. Et quand je fais 50 fois 30, tout ce que j'ai à faire avec mes deux zéros qui sont ici, c'est de les déménager dans ma réponse de 3 fois 5. C'est sûr que 50 fois 30 dans ma tête, ma table de 50, ma table de 30 en multiplication, je ne la connais pas. Par contre, 3 fois 5, je le sais, ça me donne 15. Donc, une fois que je me débarrasse de ces deux nombres-là, qu'est-ce qui me reste? Il me reste mes zéros. Donc, 3 fois 5, 15. Je prends mes deux zéros et je vais les apposer à ma réponse. Donc, ma réponse devrait donner 1500. Ben, en fait, mon estimation est à 1500. Tu vois, j'ai écrit que la réponse devrait donner à peu près 1500 ou proche de 1500. Donc, 48 fois 29 devrait me donner à peu près 1500. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est que on va faire notre vraie multiplication. Alors, en faisant 48 fois 29 ici, que tu peux appuyer sur pause pour voir ce que j'ai fait, je suis arrivé à 1392. Donc, 1392, est-ce que c'est une réponse qui est près, qui est proche de 1500? Oui, tout à fait. Donc, ma réponse fait du sens. Alors, pourquoi j'ai estimé, avant de faire ma multiplication, ma vraie multiplication, pardon, c'était pour voir si ma réponse au final faisait du sens. Parce que souvent, lorsqu'on fait des résolutions de problèmes en mathématiques, ce que je constate quand je te lis, quand je te corrige, quand je t'analyse, c'est que tu vas parfois faire des calculs, des opérations mathématiques qui vont donner des nombres, des chiffres qui ne font pas de sens avec le calcul. Je vais te donner un exemple. 48 fois 29, il y a des gens, à cause d'erreurs de calcul, qui auraient pu m'arriver avec 722. Est-ce que 722, c'est près de 1500? Pas vraiment. D'autres élèves auraient pu me dire, Monsieur Eric, ça me donne 8972. Est-ce que c'est près de 1500? Non. Donc, estimer, c'est une façon pour toi de savoir si tu es près de la bonne réponse du calcul qu'on te demande, sans l'avoir vérifié avec une calculatrice ou avoir fait le calcul une deuxième fois. Fait que dans le fond, l'utilité d'estimer une opération mathématique avant de la faire, c'est qu'une fois qu'on est rendu à la fin, on est capable de dire, ben oui, ma réponse fait du sens avec ça. Ça a du bon sens. Je ne dois pas être totalement dans le champ. Ce que je te recommande toujours dans une situation qu'on a en mathématiques, c'est de faire un calcul, une opération mathématique deux fois pour en être certain. Mais l'estimation préalable de ta réponse, ça te permet de savoir si tu es situé sur la bonne voie. Si ta réponse est très en deçà ou en dessus de ton estimation, ben tu sais que là, probablement quelque part dans ton opération mathématique, il y a une erreur. Alors ici, je t'ai demandé, j'ai écrit, c'est-à-dire 19 fois 98, 32 fois 73 et 149 fois 39. Ce que je te demande pour t'exercer, c'est de faire trois estimations de ces calculs-là, de ces multiplications-là, en trouver la réponse, puis de faire les vraies opérations mathématiques
et voir par la suite si ton estimation faisait du sens avec la véritable réponse à la multiplication qui est derrière moi. Donc, d'abord, t'estimes comme je l'ai fait à côté ici, puis tu fais le vrai calcul, la vraie multiplication pour en connaître la véritable réponse. Ce que je te demande, s'il vous plaît, avec un immense merci, c'est d'appuyer sur pause par rapport à cette capsule-là puis essayer de comparer justement les démarches si tu n'es pas certain. Merci, bon travail.